Pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé dans des comtés, des villes, des provinces et au sein du gouvernement central de Chine. La lutte contre la pauvreté a toujours été une partie cruciale de mon travail. Depuis plus de 40 ans, ce sont les terres agricoles les plus fertiles de notre village. C'est grâce à la construction du barrage hydraulique en 1974. En parlant du barrage, nous devons remercier un homme en particulier. Le secrétaire du parti de la cellule du PCC du village de Liangjiare à l'époque, Xi Jinping. J'étais adolescent dans les années 60 et je suis parti de Beijing pour un village appelé Liangjiahe, relevant de la ville de Yan'an dans la province du Shaanxi. J'y ai passé 7 ans en tant qu'agriculteur. J'ai vécu dans une habitation troglodyte aux côtés des villageois et je dormais sur un lit fait de briques et d'argile. Les habitants du village de Liangjiahe vivaient dans une extrême pauvreté. Il passait souvent des mois sans manger de viande. Une chose que je voulais faire le plus, c'était d'offrir aux villageois de bons mets de viande et de faire de la viande un ingrédient régulier à leur table. Après que Xi Jinping est devenu secrétaire du parti de la cellule du PCC du village de Liangjiahe en janvier 1974, il a dirigé les villageois dans une série de projets. Ceux-ci comprenaient la construction du barrage des jeunes instruits, le puits des jeunes instruits, qui demeure la source de notre eau du robinet aujourd'hui, et plus tard l'usine sidérurgique, le point de vente, le moulin et l'atelier de couture. Ce sont toutes de bonnes réalisations que Xi Jinping nous a apportées lorsqu'il était secrétaire du parti de la cellule du PCC de Liangjiahe. Je travaillais quasiment 365 jours par an, sauf quand j'étais malade. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je hachais véritablement la paille dans la grotte avec eux, m'occupais du bétail la nuit avec eux, puis avec eux, je conduisais les moutons au pâturage. Je participais à tous les travaux. Après être devenu secrétaire du parti du village de Liangjiahe, je cherchais constamment des moyens de développer son économie. À l'époque, ils réfléchissaient à résoudre le problème de l'alimentation des villageois ainsi que leurs problèmes quotidiens. Ils disaient qu'il fallait changer la vie des gens de Liangjiahe, améliorer leurs conditions essentielles sur le terrain. Du coup, il a fait construire un barrage hydraulique. Dans sa conception, ce barrage permettrait d'obtenir une grande surface de terre fertile, ce qui permettrait d'améliorer la vie des villageois de Liangjiahe. Mais lors de la construction de ce barrage hydraulique, beaucoup de monde nourrissait de nombreuses craintes. Les villageois disaient qu'il serait impossible de construire ce barrage sans machines et équipements, et que quand bien même, la première pluie torrentielle le ferait s'effondrer. De nombreuses personnes n'acceptaient pas ce projet. Du coup, profitant des moments de repos le soir, Xi Jinping, en faisant du porte-à-porte chez les villageois, a effectué un grand travail de persuasion. Par la suite, les villageois de Liangjiahe ont abandonné leur réticence et ainsi il a été décidé de commencer la construction du barrage en janvier de l'hiver glacial de 1973-1974. Xi Jinping a adopté une approche scientifique pour construire le barrage en établissant une barrière sur les deux tiers du lit de la rivière, l'autre tiers servant à canaliser l'écoulement de l'eau, puis en faisant creuser une tranchée sur le côté pour que l'eau coule en aval. Ensuite, il a fait bloquer le tiers restant. À l'époque, travailler en embouchure était le plus difficile. Mais Xi Jinping a commencé le premier à creuser la terre pieds nus sans hésitation. Plus tard, nous avons tous suggéré de nous relayer pour qu'il fasse une pause.
mais il a insisté pour creuser lui-même. Je me souviens qu'à l'époque où il était secrétaire de notre village, qu'importe que les tâches soient dures, sales ou éreintantes, il allait toujours à leur devant. Par conséquent, nous lui portions un grand respect. J'ai vu la puissance des masses populaires et leur fondement véritable. J'ai alors compris le peuple et j'ai compris la société. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Beaucoup de mes idées pragmatiques ont bourgeonné pendant cette période. En 1975, les résultats étaient bons grâce aux alluvions du barrage. Premièrement, l'utilisation du lit de la rivière a augmenté nos terres agricoles. Deuxièmement, ça a permis d'améliorer la qualité des sols. Initialement, un mou ne produisait que de 100 à 150 kg. Le rendement s'est amélioré en atteignant jusqu'à 500 kg par mou. Par la suite, après qu'il est revenu de l'Institut d'agronomie avec de bonnes semences, cela nous a permis de comparer les rendements. De cette période, nous avons donc instauré des parcelles scientifiques de semences. Et depuis plus de 40 ans, ce sont les meilleures parcelles de culture de notre village. Le secrétaire général Xi a déclaré que même s'il avait quitté le village, son cœur y demeurait toujours. Depuis son départ, nous autres, au village de Liangjiareu, ne pouvons pas oublier l'époque où le secrétaire général Xi avait établi chez nous cette excellente solide base. Il s'est rendu 3 fois à Yan'an, est revenu 2 fois au village et a envoyé 4 fois des lettres aux villageois dans lesquelles il souhaitait que notre village devienne de plus en plus beau et que la vie des gens devienne de plus en plus prospère. Avant l'arrivée ici de Xi Jinping, nous vivions dans des grottes creusées à même la terre. Plus tard, dans les années 1980, celles-ci sont devenues des grottes en pierre. À partir de 2013, nous avons commencé à bâtir des immeubles ainsi que le complexe résidentiel de Liangjiareu. Chacun des 137 ménages habite dans un appartement de plus de 100 mètres carrés. Les appartements reliés au gaz et à l'eau courante sont bien sûr plus confortables que les grottes dans lesquelles nous vivions. Xi Jinping est revenu en 2015 avec des cadeaux qu'il a achetés avec son propre salaire. Il a apporté de la viande, du riz, des nouilles, de l'huile de cuisson, des peintures et des couplets du Nouvel An. Cela m'a vraiment fait plaisir de sentir ces sentiments à l'égard de notre village. Après 2015, nous avons commencé à développer plus de 1000 mous de vergers sur les montagnes de Liangjiareu. De plus, nous avons également mis en place des installations photovoltaïques. Nous avons développé l'aquaculture en rivière et construit des serres de légumes. Le développement du tourisme est désormais le centre d'intérêt du village. Avant 2014, le revenu annuel par habitant de Liangjiareu était de plus de 9600 yuan, qui est passé à 21 634 yuan en 2019. Auparavant, il y avait 14 ménages pauvres avec 44 personnes à Liangjiareu. Mais en 2018, ils étaient tous sortis de la pauvreté. Le changement dans le petit village de Liangjiareu est d'un microcosme du développement économique et social de la Chine depuis le début de la réforme et de l'ouverture. Il nous a fallu plus de 30 ans pour faire de la Chine la deuxième économie mondiale. Plus de 1,3 milliard de personnes se sont débarrassées de la pénurie matérielle et vivent désormais dans une prospérité modérée, jouissant d'une dignité et de droits sans précédent. Cela représente non seulement un énorme changement pour la vie du peuple chinois, mais aussi une énorme avancée pour la civilisation humaine. C'est la contribution importante de la Chine à la paix et au développement mondial.